L'enjeu de la nanotechnologie, c'est véritablement une rupture. C'est une technologie extrêmement pointue et au niveau grenoblois, on a un microcosme, un microsystème qui est vraiment un écosystème qui est vraiment très très intéressant, très important. Donc il ne faut surtout pas louper cette évolution très rapide. Je pense que le véritable enjeu, il est là. La machine est en marche, il ne faut pas louper le démarrage et le développement de cette nanotechnologie. Donc aujourd'hui, on a traité en fait l'enjeu de la nanotechnologie au niveau des entreprises et de la façon en fait dont elles pouvaient collaborer avec des partenaires à l'extérieur pour co-développer, voire co-innover ensemble au niveau de la nanotechnologie. Donc ce qu'il faut retenir en fait, c'est que c'est une relation extrêmement critique de dépendance et que ça passe essentiellement par les relations humaines entre les deux entreprises pour pouvoir développer et co-innover ensemble. Je dirais que ce que j'ai retenu de la journée, c'est principalement la rencontre avec les étudiants qui sont en incubateur, ayant aidé des amis à monter leur start-up assez récemment et moi ayant un peu hésité avant de venir en MS. Et c'est aussi une des raisons de mon master space, c'est d'être mieux armé pour monter une entreprise d'ici un terme assez court. Je l'ai trouvé assez enrichissant puisqu'ils nous ont réellement encouragé à prendre des initiatives, à aller d'avant et à pas douter de nos idées, de nos envies, de nos projets. Et finalement, je pense que c'est des vrais conseils de personnes qui l'ont vécu et qui vont aider sûrement beaucoup de personnes à franchir le pas d'ici quelques années, de devenir entrepreneur et ce qui correspond avec beaucoup de souhaits de gens ici et de nos générations actuelles.